Et j'imagine qu'on s'y fait, hein, quand on habite là-bas. Mais j'avoue que moi j'ai pas habitude en Belgique. Hôtel 2 quoi, tu vois. Bon, c'est parti, hein. J'ai fait une petite RTA, j'ai gagné en étant là-bas. On va voir comment ça va se passer, hein, à mon retour. C'est pas habité l'an mai, quoi. Ouais, c'est possible. C'est peut-être ça aussi. J'aime bien prendre le robot contre ça, mais ça fait très vent, quoi. Et si part sur des machins et des trucs comme ça peut être bien casse-couille. À la rigueur, on fait quand même ça, je pense. Et on avise. Ok. Est-ce qu'on jouerait quand même Egang au final? Je pense pas que son Tialang va vraiment suffire à suffisamment boost sa TB. Il me semble que non. En fait, là, il me faudrait vraiment ce contrôle tout élément que je n'ai pas. Que je n'arrive pas à trouver, en fait. Il faut un truc comme Erat, mais tout élément. Genre, soit un LD, soit un truc qui glance pas, quoi. Verat, c'est le truc le plus proche de ça. J'en connais pas trop d'autres en fait. Malheureusement. Dans cette team-là, tout de suite. Sur tous les éléments, wink wink. Aïe aïe. Ok, Sten Verat, ça c'est un peu chiant quand même. Mais l'AMA va jouer avant, donc c'est pas un problème. Je vais pouvoir cleanse le Verad. En plus, ça me booste à TB en faisant ça. Check. Check. Oh, est-ce qu'on doit vraiment aller stun ça? Bon, je pense qu'on va le faire quand même. Chier. J'aurais dû commencer par quelqu'un d'autre en plus pour être sûr de l'avoir. Ouais, j'ai essayé, c'est un misplay. Pour le coup, c'est vraiment un misplay. Pour ceux qui savent pas pourquoi j'ai misplay, on va vite faire la remontrer parce que pour le coup, c'est assez instructif. C'est typiquement le genre de play que je fais quand je fais pas assez d'RTA. Mais en gros, là, vu que le robot, quand il y a quelque chose de stun, il va d'office à la cible suivante. Bah en fait, commencer par le Changpong, c'est un misplay dans le sens où si tu commences par un truc qui est freeze, dans tous les cas, tu vas aller à la cible suivante, tu vois. Là où si je vais sur Changpong et que je foire Changpong, ce qui s'est évidemment produit, bah tu ne vas pas à la cible suivante et du coup, bah tu fais qu'un seul monstre que tu rates. Là où, dans tous les cas, si tu vas sur Tianlong into Changpong, au moins t'as fait deux cibles, tu vois. Tu t'es foiré ici, mais t'as fait deux cibles parce que t'es sûr de continuer, vu qu'il est déjà freeze. T'es sûr de continuer, c'est 100%. Y a pas de rest check ni rien. Même s'il se fait résister le stun, il va quand même continuer son skill 3. Mais bon, j'avoue qu'il fallait vraiment qu'il se foire dès le premier coup aussi pour que ça arrive ici. Et ça arrive aussi que tu sois obligé tout de même de partir directement sur un monstre. Quand tu sais que ça peut quand même aller sur un autre monstre qui est pas stun ou autre. Mais là, dans ce scénario-là, c'est un misplay. L'Ice-T, Code Holy, ouais, il est vraiment bien. Moi, c'est Manque Passion que j'adore. En Holy, comme ça. Après, ces gens-là, ils ont souvent Ragdoll. Du coup, ça me fait chier de prendre Laima contre Ragdoll. Mais tu sais quoi? Fuck it. Yopristi, comment tu vas? Tiens, tiens, tiens. Ça alors, je m'y attendais pas. Ok. Ok, il prend Junoe, donc je vais pas prendre Shizuka. Je pense qu'on va faire ça. Ou alors est-ce que je préfère le robot ici? Peut-être quand même. Parce que j'aurais trop de mal à gérer Junoe avec une F6. UGL, quand tu as. Et merci beaucoup Alan pour ton sub.
Ton deuxième mois, je peux te dire bien. Tu comptes faire un reroll en visant un bon LD? Non, flemme. Vraiment la grosse flemme. Dans ton doc, tu expliques plein de choses que j'ai lues, mais j'ai pas trouvé d'infos sur les monstres. Tu parles de quoi, par exemple? Je pense, honnêtement, je vais faire ça. Est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai des dégâts, là, pour passer? On va tester, hein. J'ai pris les packs découvertes au lit, j'espère que je reçois bientôt le colis. D'ailleurs, moi, je suis censé recevoir un colis. Mais d'autres choses que j'aimerais bien vous montrer. Ça va être marrant. Mais j'ai toujours pas reçu. J'ai toujours pas reçu non plus, c'est chiant. Donc, il me laisse Sonia et Federica. Normalement, avec Sonia, je tue Ragdoll. Et avec Federica, je tue Juno. Si tout se passe bien, je suis en 2v4 et on n'est pas trop mal. Autant faire ça. On va pas pouvoir se faire stun par le singe en tous les cas. On rééduque ici. Et résistance, un peu chiant. Je vais faire ça comme ça pour l'instant. Résistance. Revois. Tu vas me faire le plaisir de te concentrer un minimum, s'il te plaît. Là, ça fait 2 games. Et déjà, là, j'ai envie de te unsummon, en fait. Donc, s'il te plaît, tu te concentres. La Juno est vachement tanky, par contre, putain. Et B, ça pourrait être tanky. C'est tanky. Et du coup, j'ai pas mes CD. J'ai tout foiré. Mon robot et mon lever ont tout foiré. Les gars, je vais vous demander un tout petit peu d'effort. D'ailleurs, j'ai même pas reset, du coup, forcément, il va pouvoir me skill 2. Et me tuer grâce à ça, pas mal du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Je vous en veux pas trop. Un petit peu quand même, mais ça arrive. Ok, pour l'instant, on veut pas se faire stun par le singe, donc on va aller là-dessus. Je suis obligé de faire ça comme ça. Du coup, je dois gérer ce truc-là qui est limite censé déjà être mort, quoi, à la rigueur. Ouais, je peux faire ça tout de même. Là, pour l'instant, on va aller sur ça. Ok, ok. On va quand même stun ça prio. Merci, ça fait plaisir. Et là, je pense que je vais là-dessus. Pour la TV. Sachant que normalement, ma Federica maintenant peut tuer. Et je tue ça normalement. Voilà, dégage. Ok. Et sergent, comment tu vas? Y'a rien, y'a rien. Ouais, il est venu, comment tu vas? C'est fou que ça toujours ces matchs-là, hein, contre ce genre de joueurs-là, où y'a rien qui passe. Et c'est pour ça que je prends des Federica Sonia pour que vraiment il y ait vraiment aucune RNG. En mode, voilà, tu one shot. Aucune RNG. Mais par contre, la Federica, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait que je la rune en lame. Que j'enlève en Nemesis et que je la rune en lame. Ah, je suis flou, autant pour moi. Propriété. Configurer la vidéo. Tu arrêtes de faire une concentration automatique parce que tu es très très nul pour le faire. Tu me laisses faire, ok? Voilà, bien vu. Bien vu. Mais elle est comme ça, la Federica, là. Et je pense qu'il faut que je remplace 2 Nemesis par 2 lames pour gratter des stats de dégâts. On peut retrouver où ton doc? Ben, je t'ai déjà répondu. Tu mets un point d'exclamation devant et t'as le lien juste en dessous. Wedget, ça peut sortir dans quelle situation et avec quel monstre en RTA? Wedjet, c'est un lead speed qui cycle. Et du coup, tu joues ça avec des monstres qui veulent cycler en général. Bon, c'est assez polyvalent, mine de rien, Wedjet. Et vu que t'as un buff def, t'as des bonnes transis sur des bruiser def. Ou des Vera, des trucs comme ça, tu vois. Et en général, c'est beaucoup joué avec Laura. Ça, t'es full buff. Et tu full cycle. Et t'as un buff speed en plus.
Et Vanessa? J'ai pas très bien centré là, je vais me remettre ici. Sekhmet Tianlang. Ok. Ah, tu vois, j'aimerais bien avoir un Gapsu pour tester. Voir ce que ça donne. Un petit Gapsu là. Je vais tenter ça là pour l'instant. À la fin, dans ton doc, il dit il y a plusieurs onglets. Comment faire pour les voir? Comment ça? Ah, tu cliques sur les onglets quoi? Attends, je vais te montrer après si tu veux. Si tu vas sur le document, c'est tout en bas. Tout en bas, t'as les différents là. Ok, on va prendre le Léo. Et je pense qu'on banne tout de même Miles. Je pense qu'on banne tout de même Miles. Ce qui banne Léo. Lorsqu'on n'a plus d'énergie sur notre gros compte et qu'on est en free-to-play, tu prends l'air et tu touches de l'herbe. Non, en vrai, c'est vraiment à vous de savoir ça. Toi, tu fais un deuxième compte. Deuxième compte si vraiment tu veux absolument jouer. Sinon, tu mets de l'argent en jeu. Sinon, tu peux faire laisser l'étoile aussi, en vrai. Faire laisser l'étoile, c'est pas si horrible que ça. Autant le faire, parce que dans tous les cas, je vais reset la... La Shizuka. Ah merde, elle a peut-être dit bonjour. J'en ai rien, elle me dit bonjour. Oupsie. Par contre, qu'il ait vraiment réussi à stun Malaima à travers tout ça, c'est assez insane pour le coup. Mais bon. Est-ce que je peux vraiment me plaindre? Pas spécialement. Il y a beaucoup de choses qu'il a raté aussi, donc bon. L'un pour l'autre. Je vais faire cycler la Layama avec le Buzzfeed. Et je pense qu'on va essayer de tuer deux fois le Tianlang. C'est vraiment la menace. Je vais reset la Sekhmet. Il met tout là. Il prend tous les tours avec sa Vanessa, mais... Ah, il me reset, ça c'est chiant par contre. Je voulais reset la Shizuka, pardon. Mais vu qu'on a reset CD, ça peut être chiant. Mais bon, elle est slow, donc je devrais rejouer avant en tous les cas. Ça ne devrait pas être un souci. Mais c'est quand même chiant. Parce que c'est sur des procs qui me fait ça en plus. Yorak, quand tu as. Skill 2, hein, je pense. J'ai une vraie chance de sortir du Fighter 3 en arène. Ma def est Libellia la face, Riley, Darius. Darius? Je ne connais pas cet individu. Yotakun, quand tu as. Yovi. C'est qui, Darius? Top lane là. Ah ok. Tu proc ou je sais pas. Il y en a eu quelques-uns en face quand même. Hein. J'en veux bien aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok. Ok. On va tuer ça normalement. Parfait. Est-ce qu'on peut stun en vrai? Nope. Le chaîne de Byung-Chul Kami, quelle vie de rêve! Ça a l'air incroyable par contre. Hein. Cette vie a l'air incroyable. Hein. Je pensais pas que Craig te réjouirait autant, mais tant mieux. Hein. Yo, Geoxix,
Geoxys, pardon, merci pour le follow. Mais du coup, Darion, attends, c'est quoi du coup Belial, Alphas, Raeli, Darion? Je sais pas. Je sais pas si je suis fan en fait. C'est quoi le lead de Belial encore? Je sais même plus. Il a vraiment réussi à sniper le Breakdef à travers l'IMU en étant feu? C'est quoi ces sniping qui fait que ça... Et pourquoi il me disperse ça aussi? Ah, c'est de la res? Non, ça pue. La res en arène, ça pue vraiment sa mère. Faut pas faire ça. Il y a 5 Progio et 2 Stunisphère. Ouais. Yo Elz, vas-y pour le follow. Comment tu as? Par contre, nous, on a rien. On a absolument rien pour l'instant. Tu proc ou non? Que? Oh, ça claque carré, hein. Écoute. Tu veux pas, ça arrive. Ok. Et ce Breakdev qu'on n'était pas censé prendre non plus, hein. Il m'a disperse Laima à nouveau. Ok, t'es chaud, toi. T'es très chaud, quand même, hein. Ok, faut vraiment qu'on tue ça le plus vite possible. Mais on a encore des menaces, en fait. C'est ça, le problème. Faut limite que je tape les menaces, là, en fait. Pour que je puisse aller taper le Tianlang derrière. Sinon, ça va être la merde. Et ça va être la merde. Un petit proc, je sais pas. Un seul. J'en demande qu'un seul. Il double stun avec son truc. Ok, faut qu'on stun là. Ok, on a eu le stun, c'est pas mal. Et pourquoi il break def mon putain de truc haut, en fait? Il va falloir m'expliquer quand même. Ok. Est-ce qu'on peut... Un petit proc, je sais pas. Un truc. Non, pas toi, moi. Il s'est trompé. Ça peut arriver. Non, pas toi, moi. Je sais que ça peut arriver, tu t'es un petit peu trompé, tout ça. Mais je parlais de moi, en fait. Bah, c'est perdu, hein, je pense. Je pense que c'est perdu. Hein. Comment on s'en sort? Je vais devoir faire ça, quand même, pour prendre la menace. Je sais pas si on peut tuer la Shizuka qui va remettre l'invincibilité, tout ça. Il me break attack, ok. Décidément les éléments. Stun? Non. Deuxième chance? Non. Ok, ça peut arriver, t'inquiète, stresse pas. Il a le skill 3, ok. Il peut jouer avant et pouvoir taper sur le break def là, ça va faire mal en rien. Ah, il crit évidemment, du haut de ses... 100% de crit sur sa Sekhmet. Est-ce que c'est gagnable? Il y a break def, hein. Non, oh, il tente un stun. Intéressant. Le problème, c'est qu'on a l'invincibilité. Ah, il me disperse stun. Non mais... Ah non mais la chatte qu'il a eue, c'est une dinguerie par contre. La chatte qu'il a eue sur cette game, c'est vraiment une dinguerie par contre. EV? Décidément. Yo Elz, tu vas bien ou quoi? Un méchant S3 Shiu serait pas piqué des hannetons là? Ah bah tu m'étonnes. Bah juste un skill de Laima en fait, hein. C'est juste qu'elle s'est fait stun. Je vais lancer la RTA de mon côté, je vais peut-être faire une autre chose. Ça peut être une bonne chose, ouais. Ça draft est vite, censé gagner 5 fois. Ah oui, mais vraiment, hein. Là, il a vraiment une chance hors du commun. Mais ça fait 5-6 fois qu'on se rencontre et je l'avais 5-0, je pense. En fait, le problème du robot, c'est que ça counter pas suffisamment Egang. Enfin, ça conteste pas suffisamment s'il part sur des Kabila et compagnie derrière. Il me faut le Triton, je pense. Pour avoir un counter à Egang qui soit vraiment un commit. Plus un deuxième speed.
6 proc à 0, 5 stun dispair, bah yes. J'ai vraiment fait 0 proc de la game? J'en ai vraiment fait 0? Si oui, bah c'est chiant. Hein. Et normalement, on n'est pas trop mal. Elle t'est ban, quand tu les ban, je suis dans le flou en draft. En gros, là, je ban Masha parce que je me dis que j'ai deux counter et gang et toute sa draft, c'est du contest. Et j'ai Triton robot pour son e-gang, donc ça devrait pas être un problème. Du coup, là, il ban robot, mais il me reste Triton. Et en vrai, les dégâts sur la Juno, j'en ai assez. Avec Lima, avec même Oliver Triton, ça fait des dégâts, hein, 100 mètres de debuff. Du coup, tu peux gratter petit à petit la Juno. Ah, c'était un proc Lima Taurin. Ok, ok. Carré, carré. Ok, bon skill 3 du Triton, pas de stun dispair. On peut rêver. Je pense que je vais quand même aller sur Maximilian au cas où il proc. Parce que je pense qu'il joue avant Malaima. Et là, autant juste taper ce qu'il y a de plus ATB ici. En tous les cas, on va tout finir assez vite. Là, je fais ça pour pas me faire disper stun, parce que dans tous les cas, je sais que je vais pouvoir reset la Juno avec Oliver. Bon, silence, on finit ça. J'ai envie de grid et faire skill 3, skill 2, en vrai de vrai. Et au pire, si elle me strip la Juno, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très très grave pour le coup. Ou si je rate mon reset d'ailleurs. Non, on va aller finir ça avant qu'il récupère son passif. Ah, je suis tenté de pas faire un skill 2, mais ça donnerait un buff speed à Juno, du coup c'est chiant. J'ai pas spécialement envie. Là, je tape pas sur la Juno parce que si je crit, enfin si je glance pas, je lui donne des dots, du coup c'est pareil, c'est full debuff. Par contre, avec les monstres qui mettent pas de debuff, je vais commencer à taper ça, et ceux qui mettent des debuffs, je tape là-dessus. Il va commencer à gratter la Juno. Sur lui, je tape sur elle. Je vais garder le skill 1 de la Neftis pour le E-Gang. Je mets tout sur la Juno, ce qui met pas de debuff. C'est dommage qu'on passe pas grand chose, mais ça devrait suffire. On va perdre l'Aima, mais je pense qu'avec le reste, on devrait gérer. À moins qu'on se fasse full disper stun, mais même comme ça, je pense que c'est très très dur à perdre. Parce qu'il y a un moment où elle sera suffisamment low pour que la Neftis finisse sur un skill 2. C'est déjà presque le cas. Donc un petit peu de dégâts à gratter et... Je pense même que là je pourrais skill 2 into skill 1 Triton et ça passerait, mais je préfère être sûr. Parce qu'il doit encore un petit peu s'énerver sur le Oliver. Du coup j'aurai une deuxième chance dans tous les cas. J'ai fait la team Téchard pour le GB12, mais la pivant fail Cedric Def assez souvent, c'est normal. Elle est skill up. Elle pose le studio. Ah ouais. Mais t'es sûr qu'elle est skill up parce que pour le coup, c'est l'un des breakdefs les plus safe du jeu. Donc soit t'as regardé 2-3 combats où t'as vraiment pas eu de chance, parce que c'est de l'ordre de 2% de chance de rater, même moins que ça. Ouais, c'est je pense 1% de chance de rater le breakdef. Elle a fait 3 fois d'affilée. Bah je sais pas, va acheter un ticket pour le loto ou je sais pas quoi. Merci Strilon pour ton follow. Je pense qu'il faut aller acheter un petit ticket pour le loto là. Parce que tu fais 1% exposant 3. Beaucoup. Hein. Comment on s'en sort contre ça? Le problème c'est que ces gens là ils sont plus rapides que moi. C'est peut-être E-Gang. Ah putain, en vrai il est confiant sur sa speed. C'est qu'il doit être vachement rapide je pense. S'il est aussi confiant. 1,05%.
a le la chance de rater sur Kabila? Après, là, il fait cut mon robot, vu qu'il est en M. Du coup, il faut juste que j'absorbe le Zibala et on est bien. Ok, parfait. Ouais, là, on est bien normalement. En plus, on stun tout le monde. C'est parfait. Je vais tout mettre sur le A, no kawi proc, parce que le reste est en Swift. Ou en Disper. Elle a pas besoin de 100% précis du coup. Non, non, c'est 35% le cap. Ils ont nerf les récompenses, si juste pas possible. Ça fait 16 semaines d'affilée que je chope pas plus de 3 vélins. Ouais, mais c'est ce qu'on m'a dit, hein. J'ai des potes qui m'ont dit avant j'avais full vélin là-dessus et maintenant ils l'ont full nerf et c'est trop bizarre. Ma playlist, celle du Seigneur Zano? Celle du Seigneur Zano, c'est celle-ci. Et sinon, ma playlist d'habitude, c'est celle-ci. Mais le problème, c'est que l'algorithme YouTube est nul à chier, du coup, ma playlist, c'est un peu chiant. Parce que quand je mets ma playlist en route, bah en fait, elle tourne en boucle sur 2-3 sons, alors que j'ai 600 sons dans la playlist. Du coup, c'est un peu chiant. C'est pas 54%? Non, 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 non. C'est 35%. Bon, on serait allé sur le Wunsa, qui a fait encore l'Imu. Après, j'en avais pas besoin, là, du stun. Hein. J'ai limite fait pour les dégâts, le skill 3, là. Parce que dans tous les cas, j'avais le silence de Neftis. En tout cas, c'était fini à partir de là. En fait, c'est bien. La draft est bien parce que soit j'ai le Eshir qui outspeed, et vu qu'il n'y a que le Wunsa qui m'outspeed, bah s'il fait pas son skill 3, il y a mon Eshir qui joue, et s'il fait son skill 3, il y a le robot qui joue. Du coup, il est un peu bloqué. Le problème dans ces drafts-là, c'est s'il me banne genre le robot, quoi. En fait, je sais pas pourquoi il a banne Laïma, c'est ça qui me paraît bizarre. Parce que la Laïma fait rien, en fait. Je comprends pas. Ah, il s'est peut-être dit que c'était une Laïma Revenge. Il a eu peur que ce soit une Laïma Revenge qui cut et qui skill 3? Vous pensez que c'est ça? Parce que sinon, la Laïma, c'est pas une menace, quoi. Parce que pour moi, là, je la perds. Enfin, je la gagne parce qu'il a fait un mauvais ban, quoi. Il m'avait laissé mon litre en 3, mon Ishir et mon Nemesis. Donc forcément, à partir de là, c'est compliqué. Il y a 5 ans, j'ai drop une Akroma, depuis plus rien, et là en un mois, Bergil, Ragdoll qui tombe, je suis le roi du pétrole, c'est insane. Ouais, c'est parfois comme ça, hein. C'est censé s'équilibrer la chance, entre guillemets. Nemtrap, je suppose c'est ça qu'il s'est dit. En fait, le robot avait beaucoup plus de chances d'être Nemtrap, vu qu'il les pique après le Wunsa. Là où ma Laïma, je les pique avant le Wunsa. J'aimerais bien savoir ce qu'il en a pensé. Son frère. J'ai eu Maya dans un Wish perso, mais moi j'ai eu le singe d'Arc dans un Wish. J'ai eu Sanzang Lao dans un Wish. Et comment tu vas, Kiko? Il cote les Wunsa plus 4 KHP? Je sais pas. Faudrait que tu me dises qu'il y a un Wunsa plus 4 KHP. Et on pourrait tester. Je pense que Anzelot en a un. Mais la plupart des Wunsa maintenant sont full HP. Genre ils s'en battent les couilles. Ils préfèrent faire des dégâts plutôt que être juste anti-trap, tu vois. Oh, Ragdoll first pick. Bah je peux pas prendre Laïma, hein. On va prendre Neftis, c'est quoi? J'ai peur de pas avoir les dégâts avec Vérade. C'est ça qui est chiant. En même temps, il y a quoi comme contrôle qui marche bien contre ça? Et je vais pas trop partir sur Sonia Federica. J'ai l'impression. Le problème, c'est que Sonia, s'il prend des Léo et compagnie, ça va être chiant. Et Federica, avec lead HP et tout, je suis pas sûr qu'elle tue quoi que ce soit. Elle respire intelligence. Ah oui, non, c'est chiant. Hein. Yulio, quand tu as? Youtibs! Comment allez-vous les gars? C'est typiquement les gens qu'on n'a pas envie d'affronter, hein, clairement à ce niveau-là, mais. Mais bon, on n'a pas le choix. Est-ce que je peux prendre Laïma? Non, je pense que je vais quand même prendre Federica. Et je pense que je vais dégager ça. C'est le truc qui va faire cycler, ça va être chiant.
Ça va être relou. Je pense qu'il banne limite Oliver, non? Ok, il banne pas Oliver. L'Oliver, il est bien, là. Je vais prendre les attaques. Le moment où il va partir de son immunité, l'Oliver va être vraiment, vraiment bien. Et je pense que ce sera suffisamment tanky pour que je puisse un peu tanker. Peut-être pas la Nephthys, on verra. Laika, non, il y a trop de stun. Il y a trop de stun possible. Vu que c'est mon seul 5 nat LD que j'ai eu il y a 8 ans, je force à jouer autre chose. Bah, je peux comprendre, mais en même temps, si t'as ça, quoi, hein, tant pis. Hein. Je pense que c'est le Léo que j'ai le plus de chances de tuer. Waouh, il est tellement tanky, frère. Il est tellement tanky. Ah, c'est une dinguerie. Après, je le tue quand même. Du coup, il est ok. Après, j'ai tout mis pour le tuer, mais au moins, c'est du 3v4. Est-ce qu'on peut gagner ce 3v4? Ça va pas être si facile. Hein. Ça va pas être si facile. Le problème, c'est que la Federica n'a pas récupéré son CD, là. Ah, oh, c'est chiant comme proc. Il me proc déjà la Federica, je pense. Alors qu'il l'avait pas proc. Dans tous les cas, il l'aurait proc sur Veromos, donc est-ce que c'est vraiment un problème? La Federica, elle est déjà morte, hein. Elle va probablement se faire stun par le Veromos. Dans tous les cas, si elle fait pas stun, elle a 15 kills 1. Elle se refait tuer derrière, donc ça va pas changer grand chose. Ouais, dans tous les cas, elle se fait stun en effet. Là, il tente la Nephthys, je pense. Il n'y a pas besoin. Un skill 1 Riley, ça suffisait. Ok, c'est quoi en focus là? Je pense qu'on part là-dessus à fond. Prochain tour, il aura plus d'immun ni rien. Il a tout utilisé là. Là, c'est le moment où le Oliver va être fort. Il a plus rien là. Faut juste pas qu'il proc trop. Ah non, il a eu ça entre temps, mais forcément. Ah là, le Oliver il prend cher quoi. Chier. Ça fait 3 tours quand même qu'il est à la parfaite immu. C'est un peu relou quand même. Ok, là je vais commencer à pouvoir jouer normalement un petit peu. Ok, à mon tour. À mon tour. Et là j'ai très peu de temps pour le tuer parce que mon liver est déjà en train de canner. Du coup c'est peut-être pas la meilleure solution. Enfin, situation plutôt. Normalement on glance pas ici, vu qu'on a un break def. Je pense qu'il faut quand même que j'aille sur Veromos. Oh, j'ai pas crit, c'est chiant ça. Qui en freeze 2 tours, si possible. Ok, bah il a cleanse le freeze, bien joué à lui. Ok, au moins il me tue pas. Et on est bon. À partir de là, normalement, ça devrait aller. Bon, évidemment, il proc. Il crit, mais ça suffit pas. Ok, nice. Merci beaucoup, Mathis, pour ton follow. En vrai, faut pas se sentir coupable de jouer Ragdoll non plus. Tu joues avec ce que t'as, tu vois. C'est juste que bah, c'est chiant à affronter, quoi. Mais en fait, je le critique pas pour jouer ça. Là où c'est chiant, c'est juste de devoir les affronter, ces mecs-là. Mais en soi, il est haut dans le ladder avec cette team-là. Hein. Et je suis pas sûr qu'il ait des gigarunes. Hein. C'est en effet assez con comme draft. Mais c'est peut-être la seule manière qu'il a d'être haut dans le ladder. Il a Toom, quand tu as. Et donc, bah, il fait avec ce qu'il a, quoi, hein, normal. Ça se trouve, je serais un joueur comme ça, hein, dans un autre univers. Si j'ai vraiment rien droppé, que je drop un ragdoll et que je suis full bruiser, peut-être un monde où je pars sur ce gameplay-là. Hein. Yotizi, comment tu vas? C'est plus problématique de le first pick. Ouais, mais ça, entre nous, c'est juste parce qu'il est pas très bon en draft. Parce que c'est pas un bon first pick... Pas même les gangs, hein. Les gangs non plus, hein, les gars. Et ce sont pas des bons first pick. Hein. C'est juste que c'est fait dans la méta, mais c'est pas parce que c'est bon. Hein. À part si vraiment t'as tout un plan derrière avec le gang, parce que tu piques des, je sais pas, Valentis et compagnie, mais même comme ça, c'est compliqué. Guild Assez-Mature qui aide les rerolls est en phase de recrutement. Bah, j'avoue que ma guild reroll, je l'ai un peu abandonnée. Je vais pas te mentir, parce que je joue plus trop solo smurf. Je peux choper les classiques Moore, CP, Oliver, ça change un peu le look du gameplay Bruiser. Ouais, j'avoue que c'est pas mal ça.
pour commencer un peu avec l'UCC. Mais le Revenge full HP, moi mon Suiki il est un petit peu offensif. Il a pas mal d'attaques pour un Suiki, avec 100 res. C'est pas un Suiki de rêve, hein, mais il est présent. En vrai, c'est une bonne rune. Hein. C'est Innate Précis, Res, Def, Speed, HP. Je peux pas faire beaucoup mieux. Ah, j'ai double Speed, Proc HP. Enfin, Proc Attaque, pardon. Elle est pas incroyable celle-là. Hein, parce que la Def est Innate. Elle est pas ici. On aurait préféré Précis ici et Def ici. Comme ça, je peux la meuler. Sachant qu'elle est héroïque, hein, tout simplement. Ça, elle est pas mal. Hein, triple Speed, Proc Attaque. Ça, c'est une héroïque aussi. Hein. Ça, c'est aussi une héroïque. En fait, il est très héroïque, mon Suiki. C'est un héros. Mais j'aimerais bien que ce soit une légende, plutôt, tu vois. Parce qu'il a littéralement... Ah non, il a deux runes légendaires, autant pour moi. Et en vrai, sur un Suiki, ça joue pas mal, les stats. Donc, faudrait que j'arrive à le runer full légendaire plus tard. Ah, en vrai, je veux bien. Je suis chaud, ouais. Je suis chaud, Tariq. Il a combien de speed, ton truc? Reviens sur le 25-25. Il met un message et on peut tester. Plus de 120? Ok. UKD, quand tu as? J'ai pu choper les classiques mousses, j'ai vu. Oui, c'était pas hein, pour tout ce qui est recrutement de guild, tout ça. Ils étaient vraiment pas à essayer de vous recruter entre vous. Mon robot, pour que tu puisses voir, il est comme ça. 167 et plus 3000 HP environ. En triple Nemesis. Je le mets quand même sous 33. Et le reste aux F. Hein. Il se joue contre qui, Kinky? Moi j'aime bien contre les Julian et les Macha. Parce que c'est des monstres qui en général sont au cœur de la compo en face, en tant que carry. Et si t'arrives à avoir un truc qui peut pas se faire tuer par ça. C'est pas mal. Et le Kinky, parfois, il est pas mal, du coup. Et Dono, quand tu as? Après, c'est pas des valeurs sûres. Hein. C'est... Genre, le Kinky peut finir par se faire break death par une macha et se faire one shot derrière. Ça peut arriver. Hein. Ah, tu vois, je cut. C'est 5000 HP que t'as. Et là, tu vois, je suis bien. Limite, avec deux monstres, la compo est finie. Et en soi, c'est pas un robot si... Tu vois, elle a juste 3400 HP, ce qui est pas non plus si énorme. Hein. Et 167 de speed, c'est pas non plus énorme. Hein. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont partis sur des Wunsa full HP. Parce que c'est trop dur d'être anti-robot. Enfin, anti-Nemesis, je veux dire. C'est trop dur. Même avec plus 4K HP, t'es même pas assuré de ça. Parce qu'il y a des mecs qui font des robots à... Encore le mien, il a 3400, il y en a qui font des plus 2000, tu vois. Il y en a qui font des plus 2000 HP, hein. Qui sont encore mieux que celui-là. Hein. Au cas où le Wunsa est peut-être un peu moins tanky. C'est pour ça que maintenant, ouais, autant faire un Wunsa qui tape et qui du coup est tanky derrière. Tu peux montrer ton Kinky? Le Kinky, il est comme ça, ouais. Mais peut-être qu'il y a un N en trop. Peut-être que tu voulais voir mon Kinky, mais ça, on fera ça hors live après. Il est comme ça. Il faudrait juste que je lui ajoute un petit peu de res. Et j'ai déjà beaucoup... J'ai beaucoup pensé à faire ça, mettre de la res ici. Mais je ne pense pas que ce soit worse. En fait, premier degré, je préfère le flat attack ici que juste passer à 100% de res, que dans tous les cas, 90 sera bien contre les machas et les Mewang et tout. D'ailleurs, Mewang aussi. Contre Mewang aussi, c'est pas mal, Kinky. Parce qu'ils auront du mal à break death ou to stun. Ouais, la mage d'arc, c'est de ça que je parlais. Hein. Il y a Crozé, quand tu as live pour le hacker feu. Mais je sais pas trop en fait, le hacker feu, je le vois jamais. Par monstre. On va essayer de trouver un bon replay de hacker feu. À chaque fois que je regarde des replays, les gens font un peu n'importe quoi avec, j'ai envie de te dire. Du coup, c'est dur de se faire une vraie opinion du monstre. Déjà, il faudrait qu'on puisse trier par du gardien. Alors, First Pick et Gang.
Et le mec part quand même Tomoe Laila, ok. Il part Valentis Tomoe Laila contre First Figure Gang. Wow, les gens sont vraiment matrixés dans cette méta. Hein. C'est bien bleu, 2 en guild. Désolé, je sais pas comment, mais c'est bien bleu, 2 en guild. Ah, je suis désolé, j'ai vraiment rien compris. Hein. J'ai vraiment rien compris. Pour moi, c'est vraiment des mots au hasard. Je pense que le Kinky met la speed en moins... Ok, ouais, il est un petit peu lent. Il est un petit peu lent, en effet. Ah, bleu 2, c'est juste ici et 2 ? Non. C'est bien bleu. C'est bien bleu, ouais. C'est en effet bleu. Un peu turquoise, ouais. Mais, ok. Attends, mais tu parles de quoi, en fait, du coup ? Parce que c'est bien beau d'être justicier, mais... C'était par rapport à quoi que tu me disais ça ? En fait, je comprends pas le contexte non plus, parce que tu me dis que t'es justicier 2 ou je sais pas quoi, mais je... Mais, ok. Et... Yo, Ouz, quand tu as... De la manière aléatoire. Ah, il parle de... Oui, je sais pas. Mais c'est vraiment notre joke, hein, j'aimerais bien comprendre. Pour pouvoir t'aider. On dit turquoise sans le S en Belgique. Turquoise. Non, on dit turquoise, je pense. Ou turquoise. Bah, y a pas un masculin et un féminin? Turquoise ou turquoise? Genre une mère turquoise, tu vois. Et un dofus turquoise. C'est, non, ça marche pas. Après, je suis belge, hein, donc forcément, j'ai plus de mal à parler la langue de Molière. Moi aussi. Je parle aléatoirement aussi. Attends, est-ce que la draft est bien, là? Check. Macha, ça part sur Ngoki. Après, Ngoki peut se faire exploser par Macha. Hein. Moi, c'est pas vraiment ce genre de game... Ah oui, mais ça avec le breakdev, du coup. Tu sais quoi, ça m'intéresse. À fou. T'es mon Drare. T'es mon Drare de Bruxelles. Ok. Ok, j'ai envie de le voir hot speed et faire son truc. Je pense que c'est pour ça qu'il jouait gang, c'est pour pas avoir un counter à son hacker. Comme ça, il strip break def. Ah. Les breakdev en question. Attends, 0 sur. Ah bah non, 0 sur 4 du coup. Pas mal. Du coup, le Ngoki derrière. Heureusement, on a un petit proc pour faire les dégâts. En fait, tu vois, c'est ça. En fait, là, je pense qu'en un match, on vient de résumer le problème du monstre. Si tu veux un strip breakdev et que le monstre a autant de mal à strip breakdev, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Autant prendre Gemini. Ouais. Après, là, t'as un slow et t'as 4... C'est un meilleur stripper, tu vois. Pour le coup, c'est comment encore exactement les stats du truc en termes de strip? C'est pas genre 50% de strip x 4? Ce qui est pas dégueu, même s'il a raté un monstre ici. Ah, c'est 50%, hein. Et c'est x 4, hein. Pour vous faire une comparaison, Moore, c'est 40% x 4, x 3. 40% x 3, lui c'est 50% x 4. Donc c'est pas un mauvais stripper du tout. Mais pour ce qui est de strip plus tenter un slow ou un breakdev, c'est compliqué, je pense. Hein. C'est un délire, j'ai tout le temps à cause de mes potes de Belgique. Ouais, à Bruxelles ça se dit pas mal. Et merci beaucoup, Ouz, ça se dit bien. C'était pas mal, ouais. Les vacances c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Vas-y, on va essayer de monter un petit peu. Alors. On est remonté ces G3. Maintenant, il va falloir qu'on monte à la top 100. Hein. L'arène interserveur, à mon avis, c'est dans genre 2 semaines. Un truc comme ça, non? Orsena, c'est qui le strip le plus sûr? Fut un temps, c'était genre Laura. Elle a pris une grosse balle en termes de fiabilité. C'est pas Izelia?
Après, il me semble qu'il y a un autre monstre là qui. Genre la dryade feu qui peut entre guillemets strip à 100%. Tiana? Oui, mais hors Tiana, justement. Check, check. Himiko. Le problème de ma draft là, c'est Egang, forcément. Tiana, c'est le seul à 100%. Ouais, mais justement, il me semble que la dryade feu, elle a un truc qui fait qu'elle retire à 100%. Juno, ça, je m'en fous complètement. Je peux la gérer assez facilement, normalement. Je peux limite partir sur un robot, là, pour être sûr d'outspeed tout ça. Et... je vais même, tu sais quoi, je vais même me prendre le luxe de ban ça. C'est le truc qui peut me faire chier le plus facilement. Hop. Normalement, on outspeed avec le robot, sweet 33. À moins qu'il soit en full swift ou je sais pas quoi. Si le mec est quand même G3, il a fait ça. Après oui, si le robot vent se foire complètement... ouais. Ouh, c'est du swift, hein. C'est vachement rapide, hein. Les deux sont en swift, là, hein. Petit coquin. Petit coquin. Évidemment, le robot se foire, mais c'est pas si grave que ça, en vrai. En vrai de vrai, je pense que je vais quand même faire ça et on va juste reset la Juno en gros. En espérant qu'elle revenge pas. J'ai voulu pas, ne pas le dire parce que je me suis dit en le disant elle va d'office revenge. Je commence à avoir des superstitions là. Attends, mais on n'a pas silence le. Si, si, on l'a silence. Attends pour moi. Ok, il proc. Du coup, c'est chiant quand même. Parce que le buzz speed et tout, ça va pas mal aider, mine de rien. Haha. C'est relou. On n'est pas censé prendre aussi cher là. C'est de réduc ici. Oh putain, il va rejouer là. Je vais mettre un slow pour qu'il fasse moins de dégâts. Peut-être même qu'il n'arrive pas à crit. En plus avec le slow on va jouer avant, donc au pire on peut même le silence pour être sûr. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non mais en vrai, rien que pour le break attack, prendre un peu moins de dégâts et tout, je préfère le faire. Oh, le stun sur Oliver est horrible, putain. Oh, le disperse sur Oliver, surtout qu'il a même pas tenté ça, quoi. Il a juste... ok, c'est pas grave. On va quand même s'en sortir. Ça va bien se passer. Ce n'est que du disperse. Bon, là, on est bien, par contre. Il vient d'utiliser son strip. Ce serait chaud pour craft des runes dans la semaine. En vrai, ouais, carrément. Je pense que ça peut se faire. Mais ouais, du coup, je vous parlais de elle. Il me semble, hein. Il me semble que c'était un truc comme ça. J'avoue que j'ai pas vraiment monté le monstre ni rien, mais... ah, c'est diminuer de 2 tours la durée des effets bénéfiques sur eux. Tu vois? Donc en fait, ça te fait un strip à 100%. Parce que c'est pas... y a pas un rest check, en fait, là-dessus. Tu vois? Ça, c'est un strip aussi fiable que Tiana. Si t'as évidemment 2 tours de buff. Et du coup, les 7 volontés, vu que c'est 2 tours, bah, ça marche sur 7 volontés. Et par exemple, sur un Wusa, par exemple, ça marchera pas. Parce qu'il lui restera un tour d'effet bénéfique, vu que c'est 3 tours de base. Mais ça, c'est 100%. Il n'y a pas de rest check. Donc techniquement, c'est aussi fiable qu'une Tiana. Mais bon, en termes d'utilité, c'est... on n'est pas au même niveau, quoi. Ça marche, Trafi, tu me diras. Yormel, et t'es coco. La Dark a un rest check avec un skill similaire. C'est possible. Je vais checker vite fait. Ah, tu veux dire que le truc d'augmenter peut se faire raise? On m'a toujours dit que ça pouvait pas se faire raise. Mais c'est possible, hein, je sais pas. Ah, tu parles de ça? Non, je pense que tu parlais vraiment de ça. Mais c'est un peu différent, ouais. Ah, et diminuer de 2 tours la durée des effets bénéfiques dont il bénéficie. Je sais pas, on m'a toujours dit que ça se pouvait pas se faire res. Hein. Faudrait tester.
Je sais pas si quelqu'un a le courage de tester. Yotignon, comment tu as? C'est quoi en vrai? En vrai, je suis chaud testé, vite fait. En soi, j'ai juste l'éveillé. Je suis même pas sûr que j'ai besoin de l'éveiller en vrai. Je vais pouvoir en avoir une quelque part ici. Et ça veut bien s'afficher. Alors, est-ce que j'ai besoin de l'éveil ou pas? Non, c'est bon, on l'a déjà sans l'éveil. Hop, on va juste la lock. Alors. Un petit Swift et on met un truc en wheel derrière. Je mets toute une team avec des wheels en gros. Je vais voir si ça se fait résider de temps en temps ou pas. Alors, putain, c'est même pas ici en plus, je fais tout ça pour rien. On lui met full speed. Enfin, c'est pas besoin d'accu en soi, mais on verra assez vite s'il y a des raises, je pense. F. Ok. Juste un truc qui est outspeed, plein de trucs en wheel, quoi, en gros. Je te montre après pour le Oliver si tu veux, Exodia. Merci beaucoup, Abyssal, pour ton follow. Bon, alors, Tiana, j'avais testé ses raises sur chaque. Et ses raises sur chaque skill, genre. Ah, tu parles de la Dark? Ça se trouve, la feu, c'est bon. Ça se trouve, la Dark se fait raise et pas ça, quoi. Que je follow, je veux dire. Aïe, aïe. Ouais, t'inquiète, ça arrive. Hein. Ok, ça a un wheel. Faut juste des trucs en wheel, quoi. Ça, non. Est-ce que t'es en wheel, toi? Toi, t'es en wheel. Je pense qu'on le verra assez vite, à mon avis. Parce que, bon, on strip 4 personnes en wheel, c'est pas si simple. Hop. Et un petit dernier. Ok. Test. Il y a un mob aussi qui faisait un truc similaire, et bref, ça se raise. Ok. Puis on va voir assez vite, hein. Ouais, résistance. En effet, ça se fait résiste. Est-ce qu'il y a un autre effet sur ce skill? Qui aurait pu se faire résiste? Ou c'est vraiment ça? C'est peut-être l'obtention d'effets bénéfiques. Bah attends, mais comment c'est pas 100% en tous les cas? Parce que j'ai même pas eu le taux d'activation sur le Verrat, j'ai l'impression. Ah, ça a juste glance. En plus, ça peut glance. Ah ouais, en plus, ça peut glance. Moi, je pensais vraiment que c'était un truc à travers tout. Ouais, dans tous les cas, ça, t'es censé avoir le wheel en moins sur le Wadam. Hein. Bah, c'est de la merde. Bah, résultat des courses, c'est de la merde. Par contre, juste faire un truc. Je vais enlever les runes au cas où un jour je la foude sans faire exprès. Et je vais les mettre sur quelque chose d'autre. Genre toi. Je risque pas de te foudre normalement. Même si je les lock, on sait jamais, hein, on sait jamais. Je me connais. Je me connais. Mais du coup, bienvenue à Abyssal. Ça marchait ton. Tu te doutes bien que la Dark n'aurait pas été HOH? Ouais, non, mais je me disais peut-être qu'il y avait un truc spécial dans le coding de Summersoir, comme to us, qui serait pas une première, hein, n'est-ce pas? Et ouais, on m'avait dit que c'était le cas, et j'avoue que j'avais pas fait les tests, et j'y avais cru bêtement. Et apparemment, c'était une info de chat. C'était une info de chat. Jungnam, c'est pas mal, ouais, c'est un bon browser O. C'est un très bon browser O, moi j'aime bien. Mais je l'ai pas. Je vais pas trop le tester. Mais il y a un jour où je le testerai quand je l'aurai. Je pense qu'il irait bien dans mon gameplay en vrai de vrai. Ah, c'était le cas, mais ça a été patch. Ah, ok. Ok. Possible. Strip de chez vous peut se faire glance comme elle. Le strip, non. Le strip ne glance jamais normalement. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre qu'un strip puisse faire glance, mais du coup, ouais. Vu que c'est un mécanisme un peu plus chelou.
Ah bah ça marche pas quoi, c'est un peu de la merde, ouais. C'est un peu de la merde, malheureusement. Est-ce qu'on se ferait un petit Verad? Parce que lui, il peut pas Glance, en fait, ce qui est plutôt cool. Ça me fait deuxième stripper, le robot, il est pas trop dégueu ici. Oh, lui. Moi, ça me va. C'est quoi? Moi, ça me va. Est-ce que c'est Takuzo? Is that Takuzo? Je sais qu'il y a un 10 à la fin, mais ils sont plusieurs à avoir le 10. Il n'y a pas que Takuzo qui est en ten. Ça se lit comme ça? Ah bah voilà, c'est Takuzo alors. Parce que normalement, il joue des Yon-Hong et tout. Je pense qu'il tente un autre gameplay. Est-ce qu'il est du coup quitté Mervant, c'est irrésistible? Non, non, ça peut se faire résist. Et bonne Verad, je pense, non? Gameplay à te donner? Ah ouais, il joue ça? C'est des monstres tellement niches qu'on leur a pas trouvé d'utilité. C'est pas impossible, hein. Après, je pense que les vrais monstres vraiment forts dans la méta ont tous été trouvés, à mon avis. Parce qu'il y avait plein de gens qui font full test. Ah non, est-ce qu'il me stun toute ma team? Je suis obligé de faire ça, du coup. Putain, le disper. If I speak... Wow, elle est tellement squishy. Bah autant la tuer maintenant, parce que elle, si elle proc, elle one-shot toute ma team. J'ai pas trop envie, en fait. J'ai pas trop trop chaud, en vrai, que ça arrive. Même la Vanessa, elle est ultra squishy. Hein. Ah ouais, autant quand même taper dessus sur le break dev, tout ça, même si elle va jouer maintenant. Ok, elle proc pas, big. En fait, c'est un gameplay qui a l'air défensif, mais qui est offensif de son côté. J'ai envie de voir un de ces gameplays après. Une de ces games. Est-ce pas la... Non, 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 je compte pas la laisser jouer, t'inquiète. Je ne compte pas la laisser jouer. Ok, nice crit. Bon, on se fait résister, mais c'est pas très très grave. Dans tous les cas, on va l'arracher là. Petit à petit. On lui fait 2200 là par coup. Les compos, les OVRD pour faire C2 RTA, ça marche, vous pensez? Ouais, carrément. En vrai, C2 RTA, tu peux tout jouer. Pour le coup. Attends, mais je suis intéressé. Oh, top 100. C'est bon, on est remonté top 100, les gars. Mes combats. Je vais l'ajouter en favori. Je vais regarder un petit peu comment il joue, parce que j'ai l'impression que la Vanessa et Nikki sont vraiment rapides. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois que le robot rapide me sauve. Hein. Oh putain. Oh, c'est tellement mal foutu, ça. Tu dois faire fin de combat. Sortir des combats. Aller dans tes favoris. Tout en bas, gestion des favoris, en supprimer un. Pour ensuite revenir dans tes replays. Tu t'es obligé de revoir le replay. Du coup, avoir le chargement. Passer la draft. Pour derrière pouvoir l'ajouter en favori. C'est pas mal, hein. C'est quand même bien pensé, ça. Tu joues quoi quand tu fais Mour CP? Moi, je joue plus trop Mour CP. J'aime plus trop Mour CP dans la méta et gang et compagnie. À part si tu joues d'office vers des Swift, quoi. Mais vers des Swift, ça a ses faiblesses. Parce qu'il y a beaucoup de drafts full RNG qui sont chiantes quand tu joues vers des Swift. Typiquement, les Joséphine avec des Minato et trucs comme ça, c'est un peu chiant à gérer en vrai de vrai. Même bêtement, genre des Manon, des trucs un peu bizarres comme ça que personne ne joue trop, mais. Quand les gens savent vraiment beaucoup jouer ça et qu'ils ont la bonne draft avec, bah c'est ouais, c'est chiant à gérer, ouais. Accuracy sur Galion, 35. 35 d'AQ. Attends, du coup, mes favoris. 82, 37. Ah, ça marche. Il était à 82, maintenant il a 37. Ça marche pas trop trop. Attends, mais il a delete son replay contre moi, là. Ah, merde. Ah, si. Ici, il y a des combos. Attends, mais pourquoi il est passé 66 à 37, là, d'un coup? Qu'est-ce qu'il a foutu? Il a live des games, ou quoi? Il a fait son guts?
Là, du coup, il joue pas son gameplay de Nikki. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Ben là, il le joue, mais à chaque fois, il perd. À chaque fois, il perd en fait. Quand il gagne, c'est qu'il a pas Nikki. Bon, bah. Ouais, mais il a delete, mais il a encore beaucoup de replay. C'est pour ça que c'est bizarre. Parce que normalement, quand tu delete, t'as plein de replay en moins. Parce que ça prend de la place, puis tu delete, et du coup, bah, t'as plein de replay en moins dans ta liste de replay. Sauf que là, il a full replay. Je me suis dit que le replay n'a même pas été joué, donc ça veut dire qu'il aurait genre quitté à la draft pendant plusieurs fois. Parce que là, il a quand même perdu genre 37 points, tu vois. Je pense que le trou de replay, on le verrait quoi. L'ange O, ouais, je suis pas giga méga fan non plus. Je vais pas te mentir. Pas trop trop fan non plus. Yo like, hein, tu vois. Ça arrive des fois que les redifs se supent toutes seules. Perso, ça m'est jamais vraiment arrivé, je pense. Enfin, mes replays quoi, mais. Après, je regarde pas tout le temps mes replays, mais. J'ai jamais vraiment vu ça, je pense. On part en guerre sainte, bah c'est Lord of the Ring. Comment ça, c'est quoi cette OST? C'est clairement Lord of the Ring. Là, j'aimerais bien avoir un Eshir en wheel en vrai, mais j'ai pas. Tant pis, on va faire 100. On va faire 100 et on va faire un truc un peu comme ça, je pense. Des bons animés à conseiller? De quel style? C'est quel style que t'aimes bien? Ouh. Ah, c'est pas mal ça. En vrai, le Craig en last pick ici, il est pas mal du tout. J'aime bien. Après, ma draft a un peu venu lâcher. Hein. Je vais pas vous mentir. J'aurais dû mettre un petit contest là, genre même une Sonia, je sais pas. Une Sekhmet, ça aurait été bien. J'aurais pas dû Camille. My bad. Je pense que je vais devoir ban ça. Hein. Le Craig est trop chiant à gérer. Après, si ça se passe comme avec mon robot, normalement il se foire complètement son robot. Et ensuite je suis bien. Yorno, quand tu as. J'ai testé Freerun cet après-midi, je me suis endormi. Ouais, Freerun, faut aimer. Mais ça devient de mieux en mieux. Vraiment, ça va crescendo. Et c'est ce qui fait que c'est bien aussi en vrai. C'est que c'est vraiment bien amené. Ok, nice turn sur Neftis. Plutôt big. Je vais quand même essayer le robot. En soi, la Masha est sous Glancing. Sur Juno? Il y a un moment où ma Juno prend cher sur ce. Là-dessus. Ok, non, il tente juste ça. Ok, ça me va. Nice, proc. Ça me fait de la sustain en plus. Et je pense qu'en vrai. Non, en vrai, j'ai skill 1. J'ai skill 1, j'ai skill 1. Parce qu'on va quand même aller sur la Neftis là, je pense. Je vais quand même aller prendre la TB à fond et ensuite on va sur Neftis. Tant pis pour la Masha. Parce que je voulais strip la Masha et la reset. Je sais pas quel est le skill 2, mais je me dis elle est encore sous Glancing. Si elle fait un skill 2 sous Glancing, c'est pas si grave du coup. Là, faut vraiment juste qu'on aille dismount la Masha. Qu'elle ait plus d'immunité, que je puisse la contrôler avec. Là par exemple, tu vois, ça m'intéresse de le faire. Ah, on n'a pas strip, c'est chiant. Ça, du coup, c'est un peu relou. Pas te mentir. C'est pas trop ce que j'imaginais. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça. Je vais prendre ça ici, un petit peu de jus. Le problème, c'est que je pense qu'on perd le Oliver là. Non, il part sur Juno, ok. En vrai, ça me va, hein. Si ma Juno doit se sacrifier pour ça me va, franchement. Good proc. Ukerten, quand tu as. Derrière, tranquillement, on va aller dismount la Masha. Sachant que j'aurai une Camille derrière qui va pouvoir gérer un peu la compo. Un free stack, comme ça, il récupère pas son passif. Là, on a un bon skill 1, skill 2. On crit en plus. La Camille fait une bonne game. La Camille fait une putain de game. On a le dismount, donc à partir de là, normalement, la Camille gère facilement Masha. Je sentais qu'elle joue une 8. Number 8, je sais même pas comment il faut le lire. Sans attente, et au final j'ai bien aimé. Ok. J'avoue que j'ai pas encore tenté Kaiju. Upsikin, quand tu as? Et Arnaud? Attends, tu m'avais dit quoi du coup? Peu importe, j'aime un peu de tout, je sais pas quoi regarder en ce moment.
Moi en ce moment, y a My Hero Academia qui a repris, que je commence à regarder. Freerun, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je t'avoue. Mais en fait, faut s'accrocher un petit peu parce que c'est un peu lent au début. Parce que c'est pas un animé qui se veut full combat, full action, génération TikTok, tout ça. C'est vraiment un animé un peu mélancolique, chill. Mais qui grimpe quand même en termes d'animation, en termes d'action et tout. Donc moi, j'ai beaucoup aimé pour le coup. J'avais pas fait mes vélins de 10 ans sur mon compte principal. Du coup, Kira qui tombe. C'est le compte principal, GG, c'est incroyable. Au moins, ça t'en fait pas un deuxième sur le compte reroll, là. Ça aurait été un peu chiant. Kaiju, je vais peut-être me le faire un jour aussi, celui-là. Il faut que je me le fasse. D'ailleurs, j'ai la MSI aussi à rattraper. Attends, mais j'avais commencé un autre animé récemment, je sais plus quoi. En fait, j'en regarde beaucoup en même temps. Windbreaker, en ce moment, c'est sympa, full bagarre. Ok, ok. C'est un peu en... On m'a dit que c'était un peu à la Tokyo Revengers, non? Windbreaker. Dans le style, tu vois. Mashle, j'ai adoré, je conseille 100%. Moi, Mashle, j'ai pas tant aimé que ça. C'était sympa, sans plus. Mais après, les animés sympas sans plus, c'est cool, hein. Parfois. Mais je suis pas en mode, ouais, vraiment, c'est incroyable, go, go, go et tout, tu vois. C'est 35, non? Non, là, si mon galion avec 35, il loupe plein de break def. De break def. c'est 35, ouais, le cap précis. Si, c'est 35, c'est 35. T'apprécies en géant, c'est 35. Regardez. Je vais montrer. Ah oui, en géant, oui, on est d'accord. Mais tu parlais de géant tout à l'heure, non? C'est pas toi qui parlais de géant tout à l'heure? Ouais, c'est ça, en géant. Hein. C'est 35 en géant, ouais. Orimia, c'est différent des animés cités, mais c'est banger. Orimia, ça ressemble à quoi ça, Orimia? Orimia. Je connais pas du tout. Mais j'avoue que tout ce qui est un petit peu slice of life, tout ça, je suis pas giga fan en animé. Ouais, tout ce qui est romance et tout, je suis pas fan en animé. Mais du coup, c'est normal. Bah, t'as 15% de chance de te faire résister à chaque fois. Donc ça arrive, ouais. Cher bêta. Il a changé de profil. Hein. Il avait une différente pendant tout un moment. J'aime pas le... J'avais fait quoi tout à l'heure contre ça? J'avais fait robot. J'avais fait l'AIMA quand même? Ouais, j'avais fait l'AIMA quand même. Hades, non, jamais joué. Mais je comptais peut-être jouer aux deux. Y'a pas d'art pivot à monter à la place? Mais je pense que c'est parce qu'il a la compo avec Akamamir. Et en vrai, avec la Akamamir, le galion, il est pas mal. Ah, il est sorti, Hades 2? Banger absolu? T'as testé? Oh, la compo est chiante, hein. Ah, la compo est chiante, en vrai, à gérer. Je vais tenter un truc. Ouais, non, ça va pas marcher, ça. Ah, le Zenith Check avec le Tiana Tianlang, le Neftis Tianlang, c'est un peu relou. J'aurais dû faire Sonia. Peut-être une petite Sonia, là, ça aurait été pas mal. Ça reste alpha, mais beaucoup de contenu déjà. Ok, ok. Peut-être que je testerai un jour. Peut-être que je testerai un jour. Anime préféré, mon top 3, c'est genre Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist. Et en vrai, mon troisième, c'est dur à dire. C'est dur de dire ça, c'est mon troisième, tu vois. Ce serait tellement déméritant pour tous les autres. Qui méritent des troisièmes aussi. Ah, résistance. Ça, c'est chiant, même si on... Bref.
C'est classique. Ok, lui aussi. Ok, nice, on a les deux ici au moins, c'est déjà ça. Parce qu'ils vont jouer avant le Zenith Check normalement. Oh, on se fait double dispair là-dessus alors qu'il n'est pas censé avoir son skill 2. Quelle horreur, putain! Quelle horreur! C'est quoi, je tentais d'aller tuer ça? Ah, je pourrais pas, il y a trop sustain. Oh putain, s'il fait pas son skill 2, on est trop bien là. Oh, on rate le tien langue en plus. Comment il me stun là-dessus? Ok, juste le robot. Ah, en vrai, le robot, c'est trop important. C'est trop trop important que je l'ai. Je suis obligé d'aller à fond sur la Juno parce que ça sera la seule manière que j'ai de le tuer le plus vite possible. Non, en troisième, je vais très genre Parasite ou. Je sais pas. Parasite, ça me paraît être un bon top 3. FF. Revenge Stone. Ouais, non, non, la Juno a fait une trop bonne game là. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. La Juno a fait une game pixel. C'est ingérable. En vrai, je pense que honnêtement, la game était vraiment gérable s'il n'y avait pas autant de RNG négative. On aurait vraiment gratté la compo, il aurait pas pu strip, j'aurais eu tous mes odds, mes immus encore à ce moment-là. J'aurais pris beaucoup moins de dégâts. Et du coup, le skill 2 du robot serait revenu et j'aurais limite fini la game là-dessus. Je m'ouvre CP vers des Swift à ton avis, vaut mieux runer Juno ou Weigong à ton avis, s'il te plaît? À mon avis, il faudrait à mon avis que tu runes les deux, à mon avis. Vous m'avez payé pour ADS2, là j'attends que ça arrive. Bah en vrai, apparemment c'est déjà sorti, hein, l'alpha. Peut-être que tu. Peut-être la version complète. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Ah, sur Mac! Et quelle idée d'être sur Mac aussi. Quelle idée d'être un gamer sur Mac. Grave bizarre, j'ai pas entendu One Piece, ça a du bug. Alors One Piece, j'aime beaucoup, mais pas en animé, en manga. Je lis One Piece, moi, j'ai jamais regardé One Piece. J'ai jamais regardé l'animé de One Piece. Bleach, oui, j'ai lu Bleach aussi, j'ai pas regardé. À part la dernière saison là qui est sortie, pas trop mal. C'est chiant là, quand même. À gérer comme compo. En vrai, Masha, je peux la gérer. Entre les shears, les dégâts bruts du robot, tout ça. Avec la Laima à côté. C'est gérable. Death Note aussi, j'ai vu, ouais. Death Note, j'ai vu aussi. En vrai, la Juno, je devrais pouvoir la gérer, à part si elle me fait la même que la dernière game, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Juno? Oui, c'est à toi que je parle, hein. Le problème, c'est que le Kinky contre Masha, il marche pas tant que ça. J'ai presque envie de tenter ça. C'est un peu bizarre, mais j'ai envie de tenter. J'ai envie de voir si ça peut marcher ou pas. C'est vraiment bizarre, hein. J'aime pas trop la draft, mais c'est pour tester. Depuis l'île des hommes poissons est catastrophique, la Nidéa est horrible. Après ça, j'imagine que c'est les goûts et les couleurs. Autant prendre lead def, ça me dérange pas qu'il mode speed ici en fait. Dans tous les cas, avec l'IMA, je pourrais pas strip parce que les gangs existent. Je vais quand même mode speed malheureusement. Je pense que le play c'est de faire jouer la Neftis avant du coup. Comme ça, je la désynchronise.
Full Despair, Into Despair. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. J'aime trop. C'est fort. Je vais devoir faire ça. J'ai pas trop le choix. Mais là, on a perdu beaucoup de tempo, là, mine de rien. Et la Juno a pas strip, hein. Je vais devoir la reset. Ok, c'est un bon crit. Au moins, on prend la TB, c'est cool. Et je pense qu'on met tout sur Laura maintenant, non? Je pense qu'on met tout sur Laura en vrai de vrai. Ah, ça m'arrange pas du tout ça. J'ai perdu mon immu sur Laima. Elle aura un bon skill 2 du coup. Oh. Ça m'arrange pas du tout. Elle est en disperse, Laura, mais va te laver. Vraiment, va te laver. Tu pues. Laura disperse, quelle horreur. Vraiment, tu pues, hein. Mais vraiment, on va prendre une douche, hein. C'est très grave, hein. Ok, est-ce qu'on glance? On glance et on se fait résiste. Pas trop dégueu, en vrai. Petit disper là, on adore le disper. Je vais faire cycler. Imagine sa Nifty c'est en disper. Bah il aurait les 4 en disper littéralement. Bah triple disper. Mais tu es fort au jeu. Tu es le meilleur. Laisse personne te dire différemment. T'es vraiment le meilleur. Et toi, tu prends ton dot, résistance, et il meurt pas du coup. Du coup, elle a son skill 2 vu qu'elle a proc. Et qu'elle a reproc encore une fois d'ailleurs. Il est fort. Là, on tente des dispers, hein, parce que monsieur tente des dispers. Monsieur est comme ceci. Ok. Mais là, on va mourir en fait. Disper, tiens, tiens, tiens. Ça faisait longtemps. Là, ça va être chaud, hein. Je vais pas vous mentir. Ah, on se fait du spur. Mais comme c'est intéressant. On aurait pu one-shot la Juno, hein, même en glancing, je pense. Et on pouvait gérer le gang derrière. Donc vraiment, jusqu'au bout, le mec a chaté. Neftis, recune ou pas? Non, c'est vraiment pas Neftis ici. Hein. Là, on a juste vu une belle démonstration du disper. On a juste vu une extrêmement belle démonstration du disper, cette game. Hein. Même en vrai, même à la fin là, si il stun pas mon Léo, je skill 2 la Juno avec autant d'attaques en plus, si peu d'HP, je la one shot même en glancing, je lui mets genre du 20k en glancing, je la tue facilement et le E-Gang peut vraiment pas 1v1 le Léo. Mais bon, même jusque là, il a réussi à disperse. Le pire c'est que cette game là, un disperse en moins et la game est plié de mon côté. Ça se joue littéralement à un disper. Toute la game. Hein. Vas-y, on va faire ça comme ça. Lui, il va partir rapide, donc il faudra probablement prendre les chires. Le Nestis et chires. Ah, par contre, il aime bien prendre les chires. Ok, il prend pas les chires. On prend les chires, du coup. Joséphine ? Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Parce que elle cut une fois et puis elle se refait stun. Et elle passe la game stun en fait. C'est pour ça que Joséphine c'est rarement une bonne idée, à moins qu'elle proc. Que vas-tu jouer, mon petit Cabrera? En vrai, finalement, no joke, le Léo était pas mal hein, dans la compo. J'ai bien aimé.
Ah, c'est chiant. Sur une autre page que pour ton doc. T'es cool, toi. Attention, hein, ma patience a des limites aussi, hein. Il y a des manières de poser des questions. Est-ce qu'il est full wheel? Est-ce qu'il est full wheel? Parce que sinon, c'est chiant. Parce que Laima se fait trop counter par Gang et il l'a vu. Ce qui est chiant. Ah, il est full wheel. Fuck. Ouais. Comment on s'en sort? J'ai quand même tenté de désynchro en faisant ça. Ouais, non, on n'a pas désynchro malheureusement. On n'a pas réussi à désynchro. Je disais, si je me foire un petit peu sur les strips, il y a un monde où je désynchro. Mais non. Du coup, non. Et on a perdu. J'ai tout misé sur le fait qu'ils se disent que je banne les gangs, et en fait, il s'est pas du tout dit ça. J'aurais juste dû ban le Egang. Vraiment juste dû ban Egang, je pense. My bad. Quand tu es stun, les CD de tes monstres se réduisent. Non, ça bouge pas. Les CD reviennent pas quand t'es stun. Le problème, c'est que Eshir, si je prends Eshir ici, il y a un gang ici et c'est un force ban. C'est ça le gros souci d'Eshir. Et je sais pas mettre les gangs de mon côté parce que c'est pas très bon contre ça. C'est trop chiant les gangs. Est-ce qu'il prend les gangs? Est-ce qu'il y pense? Est-ce qu'au pire, je peux peut-être le ban? Mais un mob anti-Sonia, tout monstre qui a beaucoup de défense, tout monstre qui raise, tout monstre qui a énormément d'HP ou lead HP. Tiens, ça fait deux games sur deux où on voit le cookie. Là, pour le coup, je peux le ban normalement. Normalement, mon robot peut même outspeed la compo. Je pense que même s'il a un jumeau en Swift, vu que je suis celui 33 avec un robot quand même assez rapide, mine de rien. Ça devrait pas être un problème, à moins qu'il ait vraiment un ange jumeau à de plus de 125. Et à ce moment-là, j'ai à lui. Il a été meilleur. Wow, il est rapide, hein, putain. Ils sont chauds, hein. Ils sont vraiment, vraiment rapides avec leurs jumeaux. Hein. Putain. Et B. Après, le Sagar joue avant le Moor, du coup, ça me va, au final. Ça aurait pu être pire, on va dire. C'est chiant quand même, hein, clairement, mais ça aurait pu être pire. Parce que là, on a 3 tours d'immunité à patienter. On a nos deux strippers se provoquent. Mais peut-être un monde où on peut tempo suffisamment longtemps. On se fait stun à Neftis, mais c'est pas trop trop grave. Ah, ça c'est chiant par contre. Dans tous les cas, je pense qu'elle meurt assez vite. Oh! Ouais, j'ai pas le choix. Faut que je tempo là, j'ai pas le choix. Prochain tour, j'ai le skill 2 avec le robot, donc c'est pas si mal que ça. Et le reste a plus grand chose. C'est peut-être encore gagnable, mais ça va être difficile. Oh non, je pense qu'il a son skill. Ah non, ok, il l'a pas. Autant pour moi. C'est vrai qu'il s'était fait refresh.
Est-ce que si je fais ça, le robot meurt d'humour? Il faut que je tente, je pense, j'ai pas le choix. Parce que le slow a trop de valeur là. Ok, il meurt pas, Big. Ce qui est d'autant mieux parce que là, il va plus me cut maintenant le mort. Et je pense qu'à partir de là, on n'est pas trop mal. Même si on se fait résiste, c'est peut-être pas si grave que ça. Plus de chances de se faire tuer par Neftis. Plus de chances de crit, vu qu'il est haut. Et on a gagné. On puisse pas acheter le skin viking. Ouais, je suis d'accord. Je préfère limite le skin. Après, je pense qu'avec le skin Ryu, t'as l'avantage d'avoir un skin que plus personne peut avoir, tu vois. Un peu légué ici, quoi. Et je pense que c'est ça que pas mal de gens visent avec ce skin. Même si y en a qui s'en foutent complètement des skins, hein, on va pas se mentir. Après, maintenant, j'ai une info. Je sais que son ange jumeau outspeed mon robot sous les 33. Donc, il est vers les 220 et quelques. C'est quoi la speed de base qu'il a? 102? C'est même pas tant que ça. Hein. Donc, ouais, il a un 224, un truc comme ça sur son ange jumeau. En vrai, je vais partir Bruiser là, non? Genre un petit Miwang là. Un petit Mewang et une Masha? Un Verdé? Peut-être un Verdé en vrai. J'aime bien Verdé ici pour faire cycler. Je suis dégoûté d'avoir les yeux hauts au lieu de commandeur. Ouais. Au pire, peut-être que tu vas le redropper, hein, qui sait? Loulou, quand tu as? Ouh. Est-ce que je peux gérer ça? En fait, je pense qu'il sera sans res, du coup le singe aura du mal à le gérer. Il sera perma-provoque. Je préfère le ban. Je préfère partir sur un ban last pick draft réussi, comme dirait l'autre. Pour tester le singe en fait. Pour tester si le Mewang peut carry ça. Je pense qu'il est pas trop mal dans cette draft là, le singe. C'est lequel qui a le plus de chances de gérer mon singe? C'est pas Velajuel, en vrai de vrai? Je pense que c'est Velajuel en vrai. Comment ça Breakdef provoque là? Comment ça mon ref? Ça c'est pas normal mon ref. Hein. Tu arrêtes tout de suite, hein. Je pense que je vais faire ça pour les dégâts. Oh non, il m'a vraiment provoqué Breakdef là. Je suis censé me heal en fait là-dessus, normalement. Ah, ça m'arrange pas du tout ça. Mais alors vraiment pas du tout. Là, il pose le Breakdef. Là, il faut que je me heal un petit peu. Un petit proc, ce serait incroyable. Nope. Ok, il réduit KTB. Il va retaper sur le singe, hein, je pense. Ah non, ok. Tente de stun, là, il m'a plutôt. Il va reskill 2, skill la refresh CD. Petit proc. Ok, nice. Big proc. On se heal pas mal là-dessus. On fait des gros dégâts aussi. On va aller sur le Sagar, là. On va en profiter qu'il soit plus sous IMU. Et je pense qu'on peut peut-être tuer le Vela. Avec le skill 2 du Oliver. Mets tout. Ok, nice. Et ok, c'est gagné. Est-ce que je suis censé la gagner celle-là? Je sais pas. Je pense que dans tous les cas, sur le long terme, j'ai pas mal de chances de revenir dans la game avec la Lima et tout. Parce qu'il aurait pas pu me la re-reset CD. En soi, il m'a breakdef provoque le singe. Parce que normalement, je suis censé me sustain un tour avant, sans avoir besoin de proc violent à la fin. Sachant que j'ai eu 4 tours pour proc violent. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Le singe, il est pas super bien ruiné. Il lui manque genre 20 ou 30 de speed. Point roll selon vous, Kraka, Seimei, Shun, Lyanna? C'est pas des giga star tri-roll, je dirais. Peut-être dans les 4 là, je dirais peut-être Kraka, à la rigueur. Mais je pense pas que c'est un super monstre pour commencer un.
le jeu. Faka. Liliana, c'est un peu. C'est un peu bad. Faut attendre un buff. Il joue. C'est pas celui qui joue NFT, ça? Ouais. Et j'avais fait ça. Ah oui, c'est le mec qui s'est complètement foiré avec son robot, je pense. Comme prévu. 5 MTLD, j'ai Neftis, ici présente. J'ai Laima, ici présente. J'ai Bénédicte, ici quelque part présent. Voilà. En gros, il est joué anti-Léo, c'est pour ça qu'il a 0 de speed. Donc je le sors que contre des Léo. Et le singe d'arc, que je ne joue pas trop. On va prendre des Shear, encore une fois. Et est-ce qu'on prend Juno? Non, je préfère la Elena ici, je pense. Non, je pense que Sekhmet est mieux, ouais. Ah, quoique. Manifty, c'est en Swift? Non, il est en violent. Il ban Oliver. On est d'HP. J'ai envie de tenter avec la Sekhmet. Je sais pas si j'aurai les dégâts. On verra. Puis quand le Minato, en général, quand il y a beaucoup de Bruiser Feu, il n'y a pas trop de quoi me stun directement. Ce qui était le cas ici. Oh, il a fait un putain de skill 2 là par contre. Hein. Holy shit. Et il va se faire Sekhmet en dernier. Ok, ça va être compliqué du coup. Ça va pas être facile à cause de ça. On va devoir faire ça. Et on se fait résiste. FF. Ouais. Il a fait le meilleur skill 2 de sa vie. Into la résistance Nefty, c'était un peu compliqué à gérer là. Pas de chance. Là, c'est vraiment juste pas de chance là. Même si la Sekhmet aurait peut-être pu être mieux, là, c'est pas un bon test ici. On peut pas savoir que si la draft était bonne ou pas. Là, juste, on a vraiment manqué de chance. En tous les cas, peu importe celui des 4, je vais clairement pas me focus sur le Dark and Light avant quelques mois de bon farm. Ouais, c'est parce que si jamais t'avais l'occasion de démarrer avec d'autres rerolls, genre si tu continues de faire des rerolls 5 machin, y en a des bien meilleurs à aller chercher, ouais. Des Fioccult, Maximilian, Neftis, tout ça, quoi. Udi, comment tu as? T'as ban qui? J'ai ban... Sonia. On voit plus... Attends. J'ai ban Sonia, ouais. Merci, Udi. Il y a tellement de Neftis maintenant. Bah, c'est le très haut niveau, là. Il y a beaucoup de Neftis. Mais tu vois qu'elles sont bien... Elles sont en général bien accompagnées. Hein. C'est Neftis Tianlang. En soi, lui, il accompagne surtout de Craig. Neftis Tianlang, Zenith Check. Neftis Laura. Et du coup, c'est pareil, c'est le même. C'est le même que lui. Et je devrais plus facilement punir ça en fait. Le Lichir, je pense qu'il est pas horrible. Mais il me manque autre chose à la place de la Sekhmet là. Je sais pas quoi. J'avais fait quoi la dernière fois? Juno, je pense. Je l'avais piqué plus vite. C'était pas la même orientation de draft. Parce que la dernière fois, je devais la gagner la game. Cette fois-ci, c'était quand même compliqué comme game. J'ai envie de retenter le Karnal ici contre les Sagars. Pourquoi Oliver plutôt que ton Moor? Lead 33. Parce que j'ai pas assez de runes pour ce niveau-là. Du coup, je préfère être sous lead 33 en permanence. Parce que sous lead 24, je suis trop lent. Ok, le Shan, j'avoue qu'il est un peu chiant quand même. Pas te mentir. Est-ce qu'on se dit qu'on outspeed sous lead 33?
qu'on est juste plus rapide que lui, ce qui serait vraiment une bonne chose. Egang, je pense pas qu'il va tant m'avantager ici. Lui par contre, oui, s'il banne le robot. Ce qu'il va probablement faire. Mais du coup, si mon lead 33 plus Laima tout ça est plus rapide que lui, on est bien. Mais parce que ma Laima est assez rapide mine de rien, j'ai plus 185. Sachant que Sagar et tout, c'est assez lent de base. Ok, est-ce que là, vu que je vais mettre les slows, parce que là je pense que tout le reste de sa compo est plus rapide que le reste de ma compo. Mais comme je vais mettre les slows avec Laima, voilà, je mets des slows, et du coup je suis plus rapide. C'est pour ça que c'est cool d'avoir une Laima un peu rapide, et que je l'ai autant respectée. Ça c'est catastrophique si elle proc, donc j'ai quand même allé là-dessus. Après ça aussi et ça aussi, hein. Si ça proc c'est chiant, ouais putain. Il va sur Carnal du coup. Ok, résistance. J'ai. Bah, il l'a plus, du coup, autant reset ça. J'aurais pu reset Vanessa en fait, ça aurait été peut-être mieux. Ça aurait été peut-être un petit peu plus smart. J'ai quand même le faire ici, pour slow le Sagar en plus. Ok, résistance, dommage. Ça me permet de tout mettre sur le. Ok, nice. Non, on va faire un double kill ici. Ghost proc le violent, ok oui. Assez fort dans le méta. Mais j'aimerais bien voir un petit nerf et gang. Ou alors un ajustement du monstre, tu vois. Parce que trop nerf le monstre, il deviendrait vraiment inutile. Un peu comme à ses débuts, quoi. Mais là, il a eu trop de buff, en fait. C'est ça le problème. En soi, s'il refait la même, je refais la même. Hein. Le problème c'est que là il prend le Egang très vite. Je pense que là je vais rejouer le singe. J'ai testé, non? Il va prendre Macha du coup je pense. Minato. En vrai, il est bien le Minato. Tu vois, Minato, je le sors contre des compos comme ça. Le problème, c'est que quand ça m'arrive, je me fais stun disper par la Juno. Et du coup, Minato, il meurt. Ce qui est vraiment super cool. Yuitos, comment tu vois? Yuclam. La customisation de notre île est l'option de stocker, mais quand on clique dessus, option stockage inexistant. Peut-être que t'as pas le bâtiment de stockage des bâtiments. Il y a un bâtiment juste pour ça. Prévu à cet effet. Fais ton robot vent, c'est pas mal, non? Ban last? Le problème, c'est que j'ai qu'un lead speed si je fais ça. Et avec le Egang et tout qui a géré, c'est pas. C'est un peu chiant en vrai. Je vais quand même faire ça, au cas où ça se fera un petit peu en face. Comme ça, elle a moins facilement son break def aussi. Sinon, il aurait déjà pu break def le singe ou je sais pas quoi. Ok, il s'est pas du tout foiré. J'ai quand même allé reset la Vanessa pour qu'elle ait pas son skill 2 derrière. Ah, oh, par contre, le stun sur Carnal, c'est dommage. Et bon, on va dire qu'on dans tous les cas, on se fait skill 3. Après, je pense qu'il va. Non, ok, skill 2. Skill 3, pardon. Ok. En plus, il s'est foiré son Sagar, il me semble. Il a pas le break def avec Vanessa vu que je l'ai reset. Oh, il proc. Par contre, il y a des putains de runes, hein, parce qu'avoir une Vanessa en violent devant toute sa team, c'est pas facile à faire. Hein. Il y a des putains de runes et il proc violent derrière. Ça va être compliqué comme game, là. Ça va être compliqué. Mais c'est pas infaisable, en vrai de vrai. Mais pourquoi il va sur le feu et pourquoi il y arrive surtout? Faut vraiment qu'on me dise pourquoi il est allé sur Carnal en fait là. Pourquoi tu me reset toi avec ta Vanessa? Tu peux pas en fait.
C'est pas censé se passer comme ça, mon ref. Hein. Ok, dans deux tours, j'ai l'invue, mais ce sera trop tard, je pense. Ah, il est pas censé te provoquer, lui, hein. Il est censé faire skill 3, skill 2, hein. C'est sur un proc qui m'a fait ça. Hein. Parce qu'il a été sur Karnal, qui est feu, et il a réussi à l'avoir. Par contre, il s'est beaucoup résiste, mais je pense pas que ça va être un problème. Il va le tuer, là. Il va juste le tuer. Mais je pense que globalement on la gagne quand même celle-là. La main dans une méta peint très haut, c'est chaud. Ouais, c'est super chaud. Bon, après il fout le proc. Lever est toujours trop legit par rapport à son nerf. Bah disons que Lever, il y a beaucoup de choses pour le gérer quoi. Mais oui, ça reste un très très bon monstre, attention. Tu sais où on trouve ce bâtiment? Dans l'onglet bâtiment? En fait, tu vas dans l'onglet de craft, je pense. C'est dans l'onglet de craft de bâtiment. Je sais plus lequel c'est, mais je pense que c'est un de ceux-là. Stockage de bâtiment. Le truc, c'est que j'aime bien jouer Laima. Et en vrai, elle me sauve pas mal de games, parce que ça me rend beaucoup plus résilient dans mon gameplay. Après, le problème, c'est les gangs, hein, c'est pas Laima. Hein. Y a beaucoup de choses qui sont chiantes dans la méta gang. Et le problème, c'est que Laima, je peux pas la last pick. Parce que c'est un monstre qui nécessite tellement de grosses runes que si tu la runes aussi bien pour la last pick, et la jouer du coup de manière situationnelle, tu peux pas la ruiner en fait. Faut vraiment juste pas la ruiner. Encore le même. Oh, ça me va, hein. Moi je veux bien forcer. Hein. La genou était bien. Après je suis d'accord que je pourrais limite faire robot triton, vu que même sans les speed, je pense que j'ai autre speed. On peut limite tenter ça, hein, si tu veux. Moi ça me va, hein, franchement. Parce que même s'il ban Oliver, normalement mon triton va speed ça assez facilement. Mais est-ce que j'ai suffisamment de follow-up? Normalement oui, mais s'il y a des trucs qui passent pas bien, genre si l'Oliver se fait résister ou autre, ça part très vite en couille. Hein. Ça full proc comme il a l'habitude de le faire. Ah, la Emma elle est comme ça. J'ai vraiment mis les meilleures runes de mon compte dessus. Elle est vraiment ultra respectée. Et c'est pour ça que je peux la jouer de manière polyvalente. Mais si je la respecte autant pour la jouer la speak, c'est injouable. En fait, elle prend beaucoup trop de runes pour être un truc situationnel, tu vois. Autant de ne pas la ruiner, ça vaut pas le coup. Voilà, je suis pas trop mal. Hein. Pourquoi il me banne Triton? Parce que du coup, il me laisse le 8-33. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se dit que je me foire, et du coup, il peut me skill 2. Ah, ok. Non, mais autant pour moi. Autant pour moi. My bad. Ah, le robot, c'est une petite fraude. Hein. C'est une petite fraude, hein, ce petit robot-là. Hein. Ça draft, là, ça draft pour le coup, au niveau de ban et tout, c'était de la merde. Et il est quand même récompensé, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que c'est encore gagnable? Si l'Oliver proquait, pourquoi pas? Là, par contre, je le vois pas trop. En plus, il reproque. Non, mais... Il a tellement de chat par contre. Parce que non seulement il n'y a rien qui passe de mon côté, mais il y a tout qui passe du sien aussi, quoi, pour faire ce résultat-là. Qui n'est pas censé arriver. Ah ouais, mon Oliver, je peux te montrer. Il a 0 strip, je l'ai déruiné. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de remplaçant au robot. Genre, c'est très gentil hein, de dire que qu'il est nul et qu'il faut le déruiner et qu'il y a... En fait, tu peux pas le remplacer. Y a pas d'autres monstres qui font ce qu'il fait. D'être le stripper et le contrôle d'une compo, tu vois. Tu peux pas. Ça va pas être facile comme game. Ça va pas être facile. Il faudrait limite un gap sous, je pense, ici.
Il est pas encore ruiné. Et je pense qu'un Gapsou, ça peut être pas trop dégueu. Il n'y a pas trop d'intérêt au Hakuni, vu qu'il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas genre un Oliver, tu vois. Il peut pas faire son taf sur Saigo, pareil. Hein. Pareil. J'aimerais bien le remplacer, mais je sais pas par quoi en fait. Y a rien. C'est pas que je sais pas par quoi, c'est que tu peux pas en fait. T'es obligé de l'avoir de ruiner. C'est ça son gros souci au robot aussi. Ou alors faut juste qu'il le rende plus fiable, mais il serait trop fort, je pense, s'il faisait ça. Du coup, ils peuvent pas trop le faire non plus. Le Gapsou en question, ça m'aurait en plus permis de pas avoir de Gapsou en face, de mettre un Gapsou ici. Faut juste que j'en rune un, mais c'est pas facile à runer en vrai un Gapsou. Ça a peu de speed de base, 96. C'est vraiment très lent du cul. Au pire, j'en rune un peu lent, et tant pis. De toute façon, on se dit, ban la speed draft réussie. On part de ce principe-là, je pense. Pour voir si ma draft peut tenir le coup ou pas. Si ça vaut la peine. Du pompon, comment tu as? Je pense que là j'ai parti du principe que le Rakuni va un peu sauver mes monstres en mono-cible, avec du coup Syrah qui est mono-cible. À moins que sa Syrah fasse des bombes ultra vénères. Ce qui du coup serait un peu compliqué. Je vais devoir faire cut. Hein. Je vais devoir faire cut, j'ai pas le choix. Il faut que je strip, dans tous les cas. Est-ce qu'il a un disperse stun? Il va sur qui là? Est-ce qu'il met tout sur Oliver? Genre torrent plus bombe? Et je dis qu'il tue? Ouais, je pense que c'est ce qu'il fait. Et il y a moyen que ça passe, ouais. Ça passe pas? Nice. Après, je vais pas vous mentir, on n'est pas très bien non plus. Hein. Ça a donné beaucoup d'ATB. Oh, il revenge en plus. Ah, putain, fais chier. C'est quoi, je vais donner le tour quand même à l'Aima. Même s'il y a la Juno qui va rejouer derrière. J'ai pas trop le choix, il faut que je le protège d'un skill 1 au moins. En plus, il va se heal un petit peu, c'est déjà ça. Et on va taper la Syrah, je pense. Faut juste pas qu'elle proc la Syrah. Elle garde son break dev, quoi, en gros. Bon, bah, on va taper sur le break def, hein. Ah, oh, on perd tellement de tempo là-dessus. Normalement, elle est morte, la Syrah. Elle met pas la bombe sur le Rakuni, ce qui va faire mal. Ce qui va faire très mal, c'est trop chiant. Tous ces dégâts-là, je les prends pas, normalement. Ah, oh. Normalement, il meurt pas du tout, mon Rakuni. Oh là là, fallait vraiment pas qu'il proc, j'aurais pas dû le dire. J'aurais pas dû le dire. C'est le mec super superstitieux. Je vais quand même faire ça au cas où la Juno se foire sur son skill 2 et qu'elle strip pas bien. Voilà, par exemple. Du coup, ma Neftis meurt pas, du coup je peux quand même faire ça. Peut-être un monde où j'atomise le Ragdoll et ma Laima peut 1v1 la Juno, mais ça va pas être facile. Commence à changer de cible, logique. Parce que la Neftis il la gère. Proc? Ouais, non, c'est perdu. Ça joue pas à grand chose, hein, sachant qu'il a bien chatté. Encore une fois, s'il chatte pas autant, on la gagne facile. Hein. Et Toxonia, quand tu as? Quand est-ce que le nouveau contenu PE sera disponible? Je pense au niveau du TOA, Reset, donc le 15, à mon avis. C'est mon guess, en tout cas. Et je pense que je vais en faire une petite dernière, après je vais vous laisser, à mon avis. David. Bien le stack aussi, hein, lui de mémoire. On n'a pas une très très bonne fin de session, malheureusement. Je sais pas avec quoi coupler ça. Est-ce que Tomoe, c'est fine? Ça fait un deuxième split, ça fait un monstre feu.
J'ai tenté. On va voir ce que ça donne. J'aimerais bien avoir un bon petit contrôle, un peu contest, quoi. Faudrait limite un robot dark, quoi, ici. Ce serait pas mal du tout. Mais je pense que je vais prendre une Sonia, un truc comme ça. Ça va peut-être être mieux. Ouais, j'ai bonne ça. Rejoise! Re. Normalement, le robot speed, à partir de là, on est peut-être pas trop mal. À part s'il se foire complètement, comme la dernière game, on l'a joué. On a l'autre speed, il faut juste qu'on strip près du KTB. Ok, pas mal. Là, vu qu'on a le stun, on aura le stun AOE avec Tomoe, ce qui est vraiment cool. Yo Solo, comment tu vas? Donc, laisse direct, mais ça m'arrange limite parce que j'ai pas envie de taper cette Juno qui a peut-être revenge. On la connaît, on commence à se méfier. Je vais même faire ça. Je pense même qu'on va reset la Juno du coup. Ok, nice crit. Là, on stun tout le monde, on rééduque un petit peu. Ah, résistance, pas mal. Mais bon, c'est pour ça qu'on a fait le skill 3 Lima. Du coup, pas de tracas. Ouais, le cadre, putain. J'avoue. Mais là le truc c'est qu'il faut qu'on ait les dégâts maintenant. Qu'on a le karma, ça c'est cool. Résistance, c'est pas trop grave j'imagine. On a le stun. Je pense que je veux dismount la Masha assez vite, on va taper dessus. Non, on a le skill 2 du robot qui revient, je pense. Voilà. T'as toujours la Laura. On dismount la Masha. Et à partir de là, on n'est pas trop mal, je pense. Si tout se passe pas trop mal. Va tenter le stun, hein. On sait jamais s'il passe, il est bien. Avec le skill 1 du coup. Ouais, il est bien à faire là. Il est bien à faire. On tue ça, comme ça c'est fait. On stun ça, comme ça il n'y a pas besoin de la reset. On va juste aller reset la Jono, je pense. Comme ça il peut pas strip. Plus on recrit dessus. Ça, j'avoue que ça m'est plutôt bien. Va tout mettre sur la genou, parce que la Neftis toute seule peut rien faire dans tous les cas. Ok. On l'a quand même un peu géré cette petite dernière game. On remonte G3 au moins.